Écoute ton rêve et demain le soleil brillera toujours. Anne-Marie, vous êtes en train de chanter ou je rêve là? Je chante pour vous. Vous faites ça tous les matins quand vous arrivez au travail? Non, on ne chante pas au laboratoire. On n'a pas l'occasion de... Non, non. C'est pas interdit, si? C'est presque. Nous, dans notre laboratoire, au laboratoire d'immunologie à l'hôpital de Strasbourg, on fait encore beaucoup de choses manuellement. Donc, il est important que lorsqu'on prend un sérum pour le déposer, qu'on ne se trompe pas. Hein. Donc, on chante rarement ou alors... Je chantonne, je sifflote, mais pas de parole, parce que ça déconcentrerait quand même. Donc je fais des analyses d'immunologie, c'est-à-dire je recherche des anticorps, des maladies auto-immunes. Voilà. Donc mon travail, c'est de travailler sur du sang de patients qui ont des maladies auto-immunes en général. Comme la polyarthrite, le lupus, ce genre de maladie, pas très sympathique. Et voilà, donc je suis technicienne de laboratoire. Donc mon travail, c'est de gérer, donc j'ai des listes avec des noms de patients, je gère chaque dossier, je fais des dilutions, j'utilise aussi certains appareils, qui là, bon, ne fonctionnent plus, j'ai fini. Et puis après, il y a des lectures au microscope. Là, j'ai des lames que je viens de terminer. Tout ça, il va falloir que je le lise au microscope, là, maintenant. Donc, voilà. Puis après, en fonction de ce qu'on trouve, on fait encore des recherches complémentaires. Donc ça, c'est mon travail. Et puis après, il y a le biologiste derrière qui va comparer les résultats que j'ai donnés avec ce qu'on avait déjà eu pour le patient ou bien ce qu'il a comme résultat par ailleurs, ce qu'il a comme maladie pour voir si... Tout colle bien. Et donc le biologiste qui est médecin ou pharmacien de formation, lui, il va valider ce que j'ai fait comme travail. Donc le chant, il est arrivé comment? Oh ben, le chant, moi, c'est in utero, hein, puisque maman chantait beaucoup, mon père aussi. Donc bon, pour moi, c'est naturel. Est-ce que parmi vos collègues ici ou dans les bureaux voisins, est-ce que les gens connaissent votre passion pour le chant? Un peu, mais pas trop. Un petit peu. Ben, mes collègues proches, oui, naturellement. Elle chante en travaillant, oui. On l'entend de réviser, reprendre les airs qu'elle apprend à la chorale. Oui. On a l'occasion de la voir Ah oui, des fois, quand elle chante quelque part, on va aller voir. Ah, oui. On est supporter, on va dire. Quand elles ont eu l'occasion de s'inscrire à la chorale, elle et Marianne, elles y sont allées, quoi. Je pense qu'elles étaient dans les premières à être dans cette chorale. Way up high. Bonjour Marianne. Bonjour. Comment allez-vous? Oui, ça va bien, merci. Ça vous dérange avec ce genre d'activité? C'est pas grave. Alors, où est-ce que nous sommes ici, en deux mots? Ici, où est-ce que nous sommes? Donc là, vous êtes au NHC, en fait, au laboratoire d'immunologie humorale et sur le plateau technique de biologie. D'accord. Donc ici, dans ce secteur-là, nous faisons les électrophorèses des protéines, la recherche d'immunoglobulines monoclonales,
Et en fait, c'est pour le suivi de tout ce qui est cancer, pic monoclonal. Donc, c'est un secteur un peu différent de ce que fait Anne-Marie à côté, mais ça se regroupe. On est le même laboratoire, en fait. Donc, oui. Là, on fait partie de la même chorale. Oui, c'est ça. Depuis le début. Moi, pas depuis le début. Moi, je suis à la chorale depuis que je suis là au NHC, parce que pour des questions de commodité, donc depuis 2008. D'accord. Ah oui, parce que, oui, ça fait 5 ans, parce qu'en fait, les locaux de la chorale, c'est juste à côté, donc pour moi, c'est pratique. Parce qu'avant, à Haute-Pierre, c'était pas très pratique pour venir jusqu'ici, mais je suis très contente de la chorale. Quoi. Moi, j'adore chanter, comme Anne-Marie. Oui, voilà, c'est ce qu'elle me disait. Donc, est-ce que c'est une passion que vous avez depuis longtemps? Ben, moi, j'aime bien chanter depuis toujours, mais je n'ai aucune notion ni de solfège. Je n'ai jamais eu une éducation musicale chez moi. Je n'ai pas appris d'instruments, mais j'ai tout appris par moi-même, en fait. Surtout parce que j'aime chanter, quoi, et que ça fait beaucoup de bien. Et c'est une détente. Ich singe Musik, ich bin in einer Chorale und es gefällt mir und ich will noch lang wieder spielen, das ist richtig schön. Voilà. Je suis dans les sopranes. Donc, par rapport à cette manifestation, il y a de l'appréhension, il y a du stress, non, vous y allez très tranquillement? Non, pour ça, il n'y a pas de stress, c'est que du bonheur. Quoi. Ben, évidemment, il faut faire un effort pour que ce soit bien, ça demande de la préparation, ça demande de la concentration quand on y sera. Mais du stress, non, pas trop de stress. Non, vous avez une préparation particulière pour ce récital ou pas plus? Disons que, on a quand même, maintenant on travaille quand même depuis un certain temps sur les morceaux, donc c'est des morceaux de musique, des chansons Walt Disney et autres, West Side Story, Qui peut faire de la voile sans vent, qui peut ramer sans rame, et qui peut quitter son ami sans verser une larme. Chez vous, d'une certaine manière. Là où oui. On est actuellement, dans ce quartier de l'Esplanade, oui. Quartier étudiant, vous me disiez tout à l'heure en arrivant. Moi, j'aime bien. Hein. En plus, c'est très cosmopolite. Moi, j'adore. D'accord. Moi, j'aime bien les gens d'un peu partout. C'est le monde qui se réunit à l'Esplanade, un petit peu. Oui. Un petit peu comme à l'hôpital, d'ailleurs. Oui, exactement. C'est un peu l'image de l'hôpital. Ouais. C'est un milieu qui vous est familier. Il y a des gens de tous les milieux, de tous les pays. Quand on joue d'un instrument, il y a cette idée de partager. De partager, oui. C'est pas pour soi. Alors, non, mais... Bon. Ouais, donc mais... pour soi, c'est pour les autres, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a forcément une confrontation avec le public. Oui, vous êtes mais... très timide, comment vous gérez ça?
Difficilement, mais bon, je me force, hein, tout simplement. Hein. Parce que ben, j'ai envie de montrer ce que je sais faire, mais malgré tout, voilà, c'est pas facile. C'est une espèce d'échappatoire. Disons, oui, enfin, pas que pour, par rapport au boulot, par rapport à tout ce qu'on peut avoir comme souci ou comme problème dans la vie. Autrement aussi, c'est en quelque sorte comme le sportif qui va courir pour oublier ou pour décompresser. Ben moi, je joue d'un instrument, c'est exactement votre, la même c'est chose. C'est votre sport à vous, alors ? Oui, enfin bon. Sur des registres aussi et des profs qui travaillent juste en bas en cardio voilà, on les côtoie mais totalement différent, enfin, c'est tout à fait différent.